4, verset 9. Mon frère, Jabet était. On commence d'abord par sa fin, sinon c'est sa fin comme ça. Quand on dit Jabet était plus considéré que ses frères, ça c'est le chapeau. Mais on va voir le contenu. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Regardez banalement comme ça. Maman, regardez bien. Quand l'enfant est dans le sein là, quand l'enfant bouge un peu, hey, bandit là, reste tranquille. Toi, ton enfant est bandit. Bon, tu vas le voir là, Mako. Le système africain a tellement enraciné les gens que même quand ils deviennent chrétiens là, pour les sortir, quand tu entends un pasteur prêcher, tu lui donnes le bon Dieu sans confession, comme disent les autres là. Et quand tu peux avoir ce pasteur chez lui à la maison, papa, il maudit tous ses enfants, il maudit sa femme. Maudit, ça ne veut pas dire je m'arrête, je te maudis. Non. La maman de Jabet n'a pas maudit comme nous on pense là. Non. Maudit, c'est la contraction de mal dire. Bénir, c'est la contraction de bien dire, bien parler. Ah, moi, je ne maudis pas. Écoute tes paroles. Tu comprends? Mais regarde le cas de Jabet. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est ton mari qui t'a engrossé. C'est l'enfant qui t'a engrossé. L'enfant innocent. Mais est-ce qu'il y a une femme qui enfante un enfant sans douleur? Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Ah, parce que toi, tu voulais une grossesse comment? Sans douleur. Un accouchement sans douleur. Écoutez. Donc, vous voyez, quand on demande l'édition là, elle n'est pas fâchée contre l'enfant, hein? Elle est fâchée contre elle-même et elle met sa colère sur l'enfant en l'appelant Jabet. Écoutez maintenant. Quelle réponse? L'enfant, bébé, quand les gens viennent l'apprendre, Jabet, douleur, ils sont en train de former l'identité de l'enfant. Oui ou non? Ça, c'est, il ne répond pas encore. Quand il va commencer à répondre, quand on dit Jabet, il dit oui. Oui, je m'appelle douleur. Jusqu'à ce qu'il grandisse. 25 ans où on a appelé quelqu'un douleur, douleur, douleur. Donc, dans sa tête, la foi vient de ce qu'on entend. L'enfant n'a entendu douleur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de succès. Douleur, tout ce que tu vas entreprendre, c'est douleur. Regardez vos vies, vos noms, fameux noms qu'on vous donne là, et vous dites que c'est le nom de mon village. Regardez. Chrétien africain, regardez. La plupart des noms qui viennent du village sont en relation avec les fétiches, les rivières, les choses. Il n'y a pas de nom neutre. Les grands intellectuels, grands professeurs, quand tu pas écouter le nom qui est au milieu là, ils sont allés prendre un nom chrétien pour venir donner. Mais le nom qui est au milieu là, W ou bien B quoi point là, c'est le nom le plus dangereux qui est là-bas, le nom qui est caché là. C'est pourquoi ils n'osent pas dire W point. Donc, tu comprends? Mais quand l'enfant a grandi, il avait plusieurs frères. Tout va bien. Sauf lui. Il est de la tribu de Judas. La tribu de Judas, on dit qu'ils sont des jeunes lions. Ils vont au carnage. Ils ramènent leur truc. Donc, tous les autres enfants des tribus de Juda sont la victoire, sauf moi. L'enfant a dit non, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Maman, pourquoi ce nom m'a été donné? Assois-toi, je vais raconter l'histoire. Mon enfant, tu veux savoir? Okay. Quand j'étais en grossesse là, c'était moi là. Je ne pouvais même pas manger. Je vomissais seulement. Vomissement matin, midi, soir. Je n'ai pas dormi. Il y avait des douleurs. Quand je suis allé accoucher là, c'était douleur. Mais avant d'aller accoucher là-haut, tu n'as pas choisi un nom, non? C'est après ton accouchement que tu choisis un nom. Maman, et après?
Quand tu es né là-haut, on a, et la sage-femme m'a dit c'est quel nom. C'est quel nom? C'est un nom de douleur seulement. Mais maman, assois-toi et réfléchis là. Écoute bien, douleur là. Regarde ma vie depuis mon enfance. Regarde mes frères, mes soeurs. C'est moi seul qui souffre dans la maison. C'est moi seul qui ai des douleurs. Maman, elle te trouve que c'est normal. Que tu me donnes ce nom-là. Et les autres, mes autres frères sont heureux. Ils sont contents. Et c'est moi qui souffre. Et tu continues à m'appeler douleur, douleur. Papa m'appelle douleur. Mes frères m'appellent douleur. Tout le monde me domine ici. C'est ça. Votre nom est lié à quoi? À votre grand-père? Votre grand-mère, elle était sorcière. Ceux qui me regardent à la télé, là, de tous les pays, là, c'est la même chose. Bénin, Togo, même chose. Pareil. Kiff, kiff. L'Afrique, c'est comme ça. Afrique, Afrique. Des noms bizarres. Nom de fétiche. Nom de démon. Ça suit l'enfant. Comprenez? Alors. Jabet a dit, ok, très bien, maman, il n'y a pas de problème. Et j'ai lu l'histoire de ma famille, d'où je viens. Je viens de la tribu de Juda. Mon grand-grand-père, là, il s'appelait Jacob, lui aussi. Lui aussi, sa maman a fait une erreur. Dieu a dit à sa maman que celui qu'on appelle Jacob, là, devait être le chef. Mais sa maman lui a donné Jacob. Heureusement que lui aussi, il a sanctifié son nom. Et il est devenu le patriarche. Quand il a sanctifié son nom, Dieu a gardé ce nom-là en lui donnant un nom nouveau, Israël. Mais quand Dieu l'appelle souvent, il dit, je m'appelle le Dieu de Jacob. Parce que Dieu a sanctifié ce nom-là. Comme papa Jacob a pu sanctifier son nom-là, moi aussi, je vais sanctifier mon nom. Même si je laisse Jabet là, mais en enlevant la malédiction là, ça va aller. Regardons sa prière. Maintenant, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Alors, ce soir-là, avant de lire la prière de Jacob, quelle est la signification de ton nom maintenant, de ton petit nom-là? Quelle est sa signification? Et ce nom-là, quelle est l'histoire de ce nom? Élève ta voix, dit Seigneur. Révèle-moi la signification de mon nom et l'histoire liée à mon nom. Seigneur, ce soir-là, je veux que mon nom soit sanctifié, que tout ce qui est maléfique soit ôté, que le sang de Jésus purifie mon nom ce soir. Seigneur, je renonce à tout effet maléfique dans ce nom-là. J'annule toute influence des idoles familiales attachées à ce nom. Je le fais au nom de Jésus. Maintenant, toute malédiction familiale liée à mon nom, même si c'est un nom, disons, chrétien, toute malédiction familiale liée à mon nom et qui maintenant me crée des problèmes, je dis à cet instant même, esprit, sors de ma vie au nom de Christ Jésus, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit brûle toute forme de malédiction dans ce nom, et que le sang de Jésus-Christ purifie ce nom-là maintenant, sanctifie ce nom-là maintenant. Merci Père, je crois ce soir, c'est la prière de la foi que je viens de faire, et je crois à cela.
là. Je te remercie ce soir au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. On va faire maintenant la prière de Jabet. Nous avons sanctifié. Jabet aussi a sanctifié son nom comme cela. Deuxième partie, on va revenir à 1 Chronique. Bon, tu me donnes 1 Chronique 4, 10 maintenant. Sa prière maintenant, on va voir. Maintenant, quand il a fait la prière pour sanctifier, alors il va faire la prière pour changer. Il dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Or, nous venons de dire que les malédictions sont ôtées. Nous allons venir à la partie bénédiction maintenant. C'est cette partie-là qui t'intéresse ce soir. Tu as déjà dit que Dieu sanctifie ton nom. Il enlève toute malédiction de ton nom. Tout ce que tes parents ont pu dire, toute l'histoire de ton nom, maintenant s'en va. On va voir la partie bénédiction. Il dit, si tu me bénis, alors dis au Seigneur, moi, par l'œuvre achevée de Christ, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce soir, cette bénédiction-là en Christ repose sur moi. Repose sur ma vie. Repose sur mon nom. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Deuxième partie de sa prière. Il dit, et que tu étendes mes limites. Sa vie était limitée. Quand il va à la gauche, rien. Quand il va à la droite, il était comme dans une cage. Dis avec moi ce soir, toute cage satanique emprisonnant ma vie est détruite au nom de Christ Jésus. Je mets le feu maintenant à toute filet oiseleur au nom de Christ Jésus. Tout mon nom est libéré. Mon nom est libéré par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, à cause de ça, ce soir, tu étends mes limites. Tu étends mes limites. Mes limites spirituelles, mes limites physiques, mes limites morales, mes limites professionnelles, mes limites du ministère, mes limites familiales. À partir de ce soir-là, Seigneur, je rentre dans les limites illimitées. Que le Saint-Esprit me conduit. Merci Père de ce que tu as fait cela et dans le nom de Christ Jésus. Troisième élément, toujours dans 1 Corinthiens. Il dit, maintenant, si ta main est avec moi, dis avec moi, Seigneur, pose ta main sur moi maintenant. Pose ta main sur moi maintenant. La main de l'Éternel soit posée sur moi. Et que tu déverses sur moi maintenant une onction de bénédiction. Seigneur, dépose ta main sur moi. Dépose ta main sur moi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dernier élément. Dernier élément. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Maintenant, tu t'arrêtes et tu dis, dans le nom de Christ Jésus, tu te tiens debout. Il ne faut pas jouer pasteur. C'est ça qui vous bloque. Et c'est ça qui vous fait faire des péchés. Ce sont ces choses-là qui vous suivent. Commettre les mêmes péchés. Vous savez que ça ne va pas. C'est cela qui vous suit là. Donc tu dis maintenant, Seigneur, je renverse cette situation qui m'a tenu pendant des années, qui a fait du mal à ma vie, qui a fait du mal à mon travail, qui a fait du mal à ma famille. Aujourd'hui, je renverse cette situation-là au nom de Christ Jésus. À la place de cette malédiction, maintenant même, Père, maintenant même, le malheur s'éloigne et de moi maintenant, et ta grâce coule sur ma vie. Père, je reçois un nom sanctifié. Je reçois un nom nouveau. Une bénédiction nouvelle.
terre à partir de maintenant. Seigneur, je ne serai plus le même. Je passe en haut. J'ai trop duré en bas. Je monte maintenant. Je vais à la tête. Je serai la tête et non la queue. C'est fini ma position. Je me libère de cette position d'échec, de misère. À partir de maintenant, je suis élevé avec Christ. Je suis béni avec Christ. Merci Père.